FARDC déployés dans l'axe Front Nord ont été condamnés à la peine de mort par le tribunal militaire garnison de Boutembo. Selon le lieutenant Rigen Bouilly, porte-parole FARDC dans le Front Nord, le procès était aussi pédagogique pour d'autres militaires engagés dans les affrontements contre la coalition M23 armée rwandaise. Ils sont au total une cinquantaine de militaires FARDC qui ont été condamnés par le tribunal militaire garnison de Boutembo. Ils étaient tous poursuivis par la justice militaire pour lâcheté et fuite devant l'ennemi, vol qualifié des biens des particuliers, dissipation des munitions de guerre et usurpation, extorsion et violation des consignes ainsi que les viols. Toutes ces infractions ont été commises lors de la prise des localités de Kanyabayunga, Kaina et Kirumba en territoire de Lubero par la coalition M23 armée rwandaise. Pour le lieutenant Rigen Mbouyi, porte-parole des FARDC dans les fronts nord que dirige le général-major Chikoti Tambwe Jérôme, ce procès a été plus que pédagogique. Comme vous le savez, il y a beaucoup de militaires qui ont été condamnés et d'autres ont été acquittés parce que leurs implications n'ont pas été prouvées. Il y a beaucoup de militaires qui sont en train d'abandonner leurs commandants. Pourtant, le principe est qu'il n'y a pas de commandant sans troupes, il n'y a pas de troupes sans commandant. Cette activité n'est pas la dernière. Elle a comme objectif d'empêcher les militaires de se soustraire de leurs obligations sur la ligne d'attaque. Vous êtes témoin, à Limbongo, il y a eu d'autres militaires qui commençaient à regagner leur ligne de front pendant que l'audience foraine était en cours. Ce procès est purement pédagogique et dissuasif. Quand je dis pédagogique, pourquoi pédagogique? Parce qu'il vise à encourager les militaires de FARDC déployés dans le cadre des opérations du Front Nord à affronter l'ennemi avec bravoure et sans recul. Notons que le tribunal militaire garnison de Boutembo, siégeant en audience foraine à Limbongo puis à Lubero Centre, a condamné au total 53 militaires à la peine de mort et 5 autres ont été acquittés. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.